sur la chaîne de Makasa Gaming. Alors aujourd'hui, la Woobox de mars qui est arrivée. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle contient. Donc les cartons, quand ils arrivent, ils sont quand même bien solides. Donc la Woobox de mars qui est sur le thème action, je pense. Donc toujours une packaging assez magnifique, hein, en forme de valisette. Alors qu'est-ce que nous avons dedans? Roulement de tambour. Alors on va commencer par le commencement. Alors nous avons, pour commencer, nous avons un masque. Un masque Batman en porte-lunettes. Bon. Voilà. Donc alors, on va faire la vidéo avec le Batman en lunettes. Alors, nous avons donc un badge Woobox, donc évidemment avec le signe Omega. Nous avons, c'est aimanté, un magnète Mica-Cola, mais qui fait ouvre bouteille en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre dedans? Alors, nous avons des autocollants. C'est un autocollant Woobox. Une figurine pop, c'est une figurine Disney Infinity 2.0 de Hulk. Voilà, quand je n'ai plus de Wii U figurine qui va me servir que dalle. Donc allez, direction le bon coin. Alors ensuite, donc le petit magazine, hein, qui nous dit qu'est-ce qui est le truc traditionnel, hein, de la Woobox. Hein. Et puis ben un tapis de souris Hitman. Donc voilà ce que nous avons dans la Woobox pour mars. Et ben voilà, c'est pas fleurinchon. Je dirais même que je suis déçu par la Woobox de mars. Je pense que là, franchement, c'est du foutage de gueule. Franchement, pour la somme, c'est du foutage de gueule complet. Un tapis de souris, ça vaut que dalle. Une figurine pour Disney Infinity 2.0, alors qu'on est déjà au 3.0. Donc, c'est autant dire que c'est comme si vous achetez des Skylanders SWAT Force, alors qu'on est déjà au superchargé. Donc, je trouve ça absurde. Le magnète, le badge, un autocollant et le masque Irman, lunette. Voilà, c'est comme qui dirait que je trouve ça absurde. Donc là, pour le moment, je suis déçu de la Woobox de mars. Allez, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. A plus tard sur ma chaîne.